T'en as marre d'avoir une voiture pas belle sur Rocket League et tu veux la changer? Alors n'hésite pas à te rendre sur RL Exchange, le partenaire de la chaîne. Que tu sois sur console ou PC, tu trouveras tous les items que tu veux et tu pourras enfin devenir le boss sur la map. De plus, la livraison est rapide et sécurisée, alors si tu fais tes achats là-bas, n'oublie pas d'entrer le petit coupon MOXIE pour bénéficier de 3% de réduction. Merci à tous ceux qui me soutiendront en espérant voir de belles voitures sur le terrain. Yo les gars, je pense que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour la suite de la série 1v5. Comme vous le voyez ici avant de commencer la vidéo, j'ai 6 comptes dans le top 10 Epic et les 5 premières places sont des comptes à moi, c'est juste une folie. Du coup on se retrouve sur le compte MOXIE Road to World Record parce qu'il est plus haut que mon main. Et du coup l'objectif aujourd'hui, on va essayer vraiment de gagner toutes les games comme ça. On prend pas mal de points parce qu'en plus comme c'est un nouveau compte, et ben on prend beaucoup de points par game. Donc écoutez, ne perdons pas de temps et en espérant bien jouer. Le dernier épisode s'est vraiment bien passé pour le coup. Ok, on a notre première game, on tombe contre Nas. Ok, Nas très bon joueur, c'est la première game de la journée personnellement, mais c'est pas une excuse, on va essayer quand même de très bien jouer, de gagner. Hop, ouais, Ghost Focus du coup parce que Nas c'est un bon joueur. Vraiment, on n'est pas à l'abri là, clairement. Si je suis pas hyper focus, ça va pas forcément bien se passer. Ok, on commence bien, 1-0. Allez, go full win, hein, vraiment. D'ailleurs, je le dis pas souvent, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, les frérots, ça fait plaisir. On est en retour 200k, et si la série vous plaît et que vous voulez me voir monter, eh ben n'hésitez pas, franchement, ça me motive de fou, en vrai, à continuer les vidéos. Hein. Vraiment, en ce moment, on se développe de dingue. C'est une dinguerie, et regardez comme c'est trop beau ce qui se passe. Je troll pas, clairement, je tente pas de dinguerie. Je mets l'open. On est à 2-0. Ça fait plaisir, on prend un bon avantage. Oh, il a pris le pad. J'aurais bien touché la balle là, mais en vrai, c'était un peu risqué. Ok, ça c'est bien, je me suis jeté, au moins il peut pas la mettre. J'ai pris le gros boost. Ok, je la cut. Je vais pas la rendre. J'ai flic à droite. Ah dommage en vrai. Je vais pouvoir back. Dommage le flic à droite qui passe pas. Nice, belle save. C'est but ça. C'est magnifique. C'est magnifique les gars. 3-0. Ok, pour l'instant on commence vraiment super bien. Je vais pas prendre le boost mid, un peu risqué. Moi je prends aucun risque. Ok, il y a peut-être mes ball chase, mais voilà, je bloque, au moins je peux rattaquer tranquillement. J'ai raté mon contrôle, je vais aller prendre le boost. J'aime pas partir en l'air en vrai, c'est risqué. Je t'ai peut-être poussé la balle un petit peu trop loin, mais ouais, je vais chercher la démo. Ça fait 4. Allez. On est bien, on reste concentré. Ok, ça c'est pas forcément le meilleur move, j'aurais peut-être pu faire mieux. On va faire gaffe, là il part en l'air. Wouah, inarrêtable. Inarrêtable, bien joué. Tranquille, y'a rien. Waouh, my bad. Ça, ça va être compliqué à save. Ouais, je suis obligé. En fait, je suis obligé de sauter là parce que il est trop dans une bonne position. Si je saute pas, c'est but. Ok, bon, on a pris 2 buts assez rapidement. On va essayer quand même de rester concentré, de pas en prendre plus. Vraiment. J'en étais sûr. Ok. Nice, la save, let's go. What? Comment je l'ai pas démo? Ok, j'ai bien fait de sauter là, vraiment. J'ai pas eu le boost, malheureusement. Il a pas fait son meilleur move là, très clairement. Oh, le fake! Dommage en vrai, j'ai raté la balle, je mens pas. Ok, let's go. Bonne défense, là je pourrais prendre le boost. Faut que je sorte vite. Nice, let's go. Oh, il a bien défendu là, il s'en est bien sorti, très clairement. Ok, je vais prendre the boost mid. Oh, il panique là. Dommage en vrai, dommage. J'ai voulu gagner du temps pour qu'il saute, mais il a pas sauté. Yes! Ça, par contre, les gars, c'est 200 de cuit. Dommage que ça soit pas but, mais le fait de sauter, j'ai pré-shot le fait qu'il saute. Je suis dans son cerveau. Waouh, attention là. Je vais subir là, je sens. Ouais, dommage. Ok, bon. Je prends des buts, en vrai, je peux rien faire hein, sur les buts, clairement. Il joue juste bien là. Heureusement que j'ai pris une avance dès le début du match, par contre. Non, mais par contre, il fait que de partir en l'air, c'est horrible. Ok, let's go. Magnifique. Vraiment, hein, les moves en l'air, vraiment, hein, quelle dinguerie. Inarrêtable. Hein. C'était si fluide.
Je vais sauter cash, voilà, même si je la mets pas au moins. Je prends la possession. Oh non, le tir instant qui passe pas, j'ai carrément fail, vraiment. Franchement, là, si je la cadrais, ça aurait pu être pas mal, mais... Ah, par contre, j'en peux plus. Alors j'ai rien capté au move, mais je la save, et je marque en plus. Let's go. Ouais, ça l'énerve, bien sûr que ça l'énerve. Je pense que si on peut gagner, ça fait plaisir. En plus, Nas, il a pas mal de points. Je vais pas me porter l'œil, hein, parce que d'habitude, à chaque fois que je dis ça, je me fais comeback. Donc, je vais rien dire. Ah, ça m'a saoulé, là, de me laisser faire en l'air. Ouais, let's go, première game gagnée. GG, ça fait plaisir. Bah, écoutez, on prend un plus 8, ça commence vraiment bien, la vidéo. On joue vraiment pas mal. Go continuer sur cette lancée, très clairement. Ok, deuxième game, on joue contre Emre. Ok, les gars, Emre, je préfère vous prévenir, c'est un joueur qui fake énormément. Regardez, premier kick-off, il fake. Regardez, faites-moi confiance, je connais le jeu par cœur. Je vais arrêter de parler. Tu vois, moi, je pensais qu'il allait fake et non. Par contre, Emre, du coup, c'est un bon joueur, faut faire gaffe, vraiment. Très solide en 1v1. Donc là, faut être chaud. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et l'objectif, clairement, de gagner. On va essayer de bien jouer, vraiment. Tu prends le 50? Nice, voilà. C'est ça qu'il faut. Je veux pas me laisser marcher dessus. Faut que je fasse gaffe au kick-off, vraiment. Parce que je suis sûr qu'il va fake tôt ou tard. Nice, j'ai le boost. Parfait. Magnifique, magnifique. C'est pas but, mais ouais, ça fait plaisir. Enfin, c'était pas but en première intention, mais là, le fait qu'il a remette, franchement, je m'en plains pas. Je m'en plains pas, très clairement. Regardez, hop, le petit tir. Et là, ouais, non, en vrai, Nucky. Nucky pour lui, malheureusement. En fait, j'ai peur de kick-off wave dash parce que si fake, et ben le wave dash, en fait, je me fais complètement avoir. Ça, c'est 4-1, ça, normalement. Oh non, pas assez puissant. Ou un peu risqué, ça. Ouais, ça va. Je la fais rebondir, voilà, nickel. Si je la fais glisser, il la touche, du coup, je la mets au-dessus. Parfait. Ok. Je sais pas quoi faire là, je vais rush instant. C'est pas mal en vrai, bon 50. Je vais pas laisser jouer là aussi. Voilà, nickel. Je la mets bien en l'air, voilà. Je peux plus rien faire, j'esquive le bump. Je sais pas où est la balle, ok elle est là. Je me disais what the fuck où elle est. Voilà, nickel, 5-1. Allez, c'est ça qu'il faut, faut être solide comme ça si on veut gagner. Là je pense qu'il va fake. Voilà, je connais le jeu par cœur. C'était évident, on me la fait pas moi les gars, on me la fait pas. Les styles de jeu je les connais, je m'en rappelle moi. Voilà, c'est pour ça que je fais pas de kick-off wave dash. Parce que quand il fake et que je le vois pas, si wave dash je suis foutu. Oh, j'ai pas le boost mid. Je vais pas la mettre middle, trop dangereux. Voilà, je préfère partir sur l'autre côté. Oh, dommage si ça rentrait là, c'était la cerise sur le gâteau. Genre le boost, ouais. Je vais le rush instant, clairement. Voilà. C'est moi, je m'impose maintenant. On a dit qu'on trollait pas, on jouait pour gagner. On tente pas de move bizarre. Même s'il y a 6-1. On est sérieux. Dommage. Je crois prendre le boost. Ok. Je back tranquillement. Ouah. Ah, c'est risqué ça, c'est ma faute. Je m'attendais pas à ce qu'il ball chase comme ça, donc... Donc en vrai, c'est bien joué à lui. Il a été imprévisible de fou. Ok. Il va sûrement partir en l'air. Je vais pas le laisser. Ouah, j'ai raté le boost, je suis obligé de le laisser là par contre. Ok. Ça va. Oh, j'ai voulu toucher la balle mais il m'a bump. Wow, j'ai de la chance de spawn là en vrai. Nickel, je prends le boost, pas le choix. Oh, je suis dans une mauvaise position de fou là. Ouais, dommage. Ok. Ok, il va paniquer là, ouais. Let's go, il me rend la balle. C'est but? Ah, c'est de la merde, un peu comme flic. C'est pas grave, en vrai, ça fait perdre du temps. Là, je cherche pas à marquer, clairement, je cherche juste à tuer le temps. Malheureusement, j'ai rendu la balle un petit peu là. Ok, le fake challenge qui passe.
Ouais, je comprends pas. Un duel de fake, frérot. Ok, je la passe au-dessus. En vrai, en temps normal, j'aurais back, mais je me suis dit, vas-y, il est tellement loin que je peux la mettre. Clairement, là, ça fait plaisir. On est bien, là, on est bien encore pour enchaîner avec une deuxième victoire. Franchement, on remonterait les points super vite à ce rythme. Clairement, go continuer. C'est dedans? Yes! Je crois bien que c'est gagné. Ouais, il a FF. Deuxième victoire d'affilée, les frérots. Est-ce qu'on serait pas de retour à notre niveau habituel? 1651, je vous propose qu'on perde pas de temps en espérant que la vidéo soit une vidéo full win. Ok les frérots, dernière game, on tombe contre un mec beaucoup plus bas mais qui reste tout aussi fort. On est contre Justus qui est à peine à 1400. Là clairement on n'a pas intérêt de la perdre parce que eh bien on va perdre beaucoup de points si jamais on la perd. Donc go gagner tout, go assurer. Comme ça, ça fait vraiment plaisir et puis on est sur du full win quoi. Hop, je fais le démo. 1-0. Nice, bon ça commence bien. Fait plaisir. Flip reset. Oh le grand pinch qui arrive. Dommage. J'ai pas utilisé trop de boost en vrai, ça sert à rien vraiment. Faut mieux que je l'économise pour défendre. Voilà. Voilà, au moins ça m'a servi. Oh, let's go, ça va. Ok, bon il me ball chase mais il va pas bien loin pour l'instant. Je vais pas avoir le boost. Let's go, ça c'est vraiment super, une bonne nouvelle. Nice, le bump. Le but, let's go, 2-0. Nice, là j'ai bien fait chier, je me suis collé à lui en fait. Du coup vraiment ça l'a déstabilisé de fou. Ça a fait vraiment plaisir. On est bien là. Attention là au tir, le penalty. Ok, c'est pas dedans. Let's go, obligé de pré-shot. Ok, ok, ma démo c'est pas grave. En tout cas il a perdu du temps. Il va pas pouvoir, il va pas avoir le temps de marquer. Ok. Ouah, wow, dommage, j'aurais pu la save. Ok, au calme, il y a R. Nice. Non, j'ai raté la balle comme un débile, c'est ma faute ça. Allez, go, restez concentré. Ok. Ouais, je vais pas prendre le risque de me faire des mots. Fake? Je vous jure, le fake serait passé, vraiment, il a sauté. Il a double sauté, frérot, il s'est jeté. Dommage en vrai. Ouais, j'avais parti tellement fort. Je fais le démo. Nice, let's go. Allez, 3-2. Attention le kick-off. Ok, il est pas mal. Je vais fake. Là, clairement, je fais direct. Regardez, je le force à sauter. Comme ça, je peux prendre le boost. Ça, c'est vraiment hyper important en 1v1 de faire ça. Comme ça vraiment vous vous mettez bien, même si vous marquez pas direct, vous avez une sécurité parce que vous avez le boost. Regardez, dans la sauce au final je me retrouve avec le ballon. Ok, belle défense de sa part, en vrai le fake change je me suis fait avoir. Là par contre je vais, ouais, ouais là s'il accélérait pas, je chopais la démo. Et ça va faire but, parfait. Ok. J'ai pas beaucoup de boost. Let's go, ça rentre pas. Ok. C'est but ça. On rate rien. Bien sûr qu'on rate rien. Ok, bon on est bien. Je vais fake kick-off là. 5-2, 2 minutes 17. Normalement le fake kick-off, je prendrai pas de but. Voilà, nickel. Il va se précipiter. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Je vais le cut. Non mais c'est trop beau. Ouais, vous voyez, là je joue vraiment. Je suis grave agressif, je laisse pas respirer. Ça fait vraiment plaisir, hein, vraiment. Je prends beaucoup moins de buts de bête. Je vais esquiver le bump. Ouais, non, mais c'est nickel. J'ai fait le pire move, là. Oh. Nice, la démo qui carry. C'est beau. C'est beau. 7-2. Il FF. Les gars, vidéo full win, ça fait vraiment plaisir.
Ok, bon, plus 2, mais au moins c'est une vidéo full win. Bon, finalement, on a pris un plus 3, du coup, c'est vraiment insane. Franchement, je suis vraiment content, on a super bien joué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est en route tout 200K, c'est pour ça qu'en ce moment, vraiment, je vous sors du contenu quotidiennement. Je suis vraiment hyper motivé. Et là, honnêtement, faire des vidéos comme ça où on gagne tout, clairement, c'est juste un pur plaisir. Donc, nous, on se retrouve très très vite pour la suite de la série NBS1. Et bientôt, donc samedi, normalement, il y a un concept qui sort sur la chaîne YouTube à 18h. Donc, soyez bien présents. Et puis, nous, d'ici là, on se retrouve très vite pour la suite en espérant gagner, évidemment.